La laïcité à l'école, qu'est-ce que ça signifie? On entend souvent parler de la laïcité de l'État ou de l'école. La laïcité, c'est quoi? La laïcité, c'est le principe qui garantit la liberté de croire ou ne pas croire. En France, elle s'applique selon trois grands principes. L'égalité. Tous les habitants, quelle que soit leur religion ou conviction, sont égaux devant la loi. La liberté. Tous les habitants ont le droit d'exprimer leurs croyances ou convictions et de pratiquer la religion de leur choix, d'en changer ou de ne pas en avoir, mais toujours dans le respect de la liberté des autres. La neutralité de l'État. L'État ne peut jamais imposer à qui que ce soit une religion ou de ne pas croire. Toute personne qui travaille pour l'État ou une collectivité publique doit être neutre et ne rien imposer en matière religieuse. La laïcité en France, ça date de quand ? En 1882, l'école publique est laïque. Avec la loi du 9 décembre 1905, c'est la République qui devient laïque. L'État et les Églises sont officiellement séparés. Plus tard, le principe de laïcité est jugé tellement important qu'en 1946, la laïcité est proclamée par le premier article de la Constitution. La laïcité à l'école, ça veut dire quoi ? La laïcité à l'école, ça veut dire que mon enseignement doit me faire partager la valeur de la laïcité et des autres grands principes de la République. Que je ne subis jamais de violence ou d'injustice en raison de mes croyances ou convictions. Que j'ai le droit de parler de ma religion ou de religion en général, mais toujours dans le respect des convictions et de la liberté des autres. Que je ne subis aucune pression de la part d'un adulte ou de mes camarades, du fait de leurs croyances ou de leur volonté de les transmettre. Que je dois respecter les règles de l'école publique et ne pas montrer de manière trop visible à quelle religion j'appartiens si j'en ai une. Que j'ai droit aux mêmes apprentissages que tous les autres pour pouvoir découvrir la diversité des visions du monde. Que j'apprends à l'école la différence entre la connaissance vérifiée et la croyance qui relève des convictions personnelles. La laïcité, c'est une chance pour moi d'être respectée pour ce que je suis, sans considération de ma religion ou de mes convictions.